pousser les cris de joie dans cette salle ce soir. Écoute-moi sans savoir pourquoi tu pousses les cris de joie. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Parce que de gloire en gloire, il est en train de décider de vous enlever quelque part pour vous positionner dans une autre dimension. Quelqu'un pousse les cris de joie. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Normalement, lorsque nous avons une nouvelle comme quoi quelqu'un est mort, on est censé être triste. Mais laisse-moi t'annoncer, il y a une mort. Lorsqu'il est mort, on ne doit pas être triste. On doit réjouir. Parce que la mort est sur le point de changer notre destin. Est-ce que quelqu'un peut manifester la joie dans cette salle? La joie dans cette salle. Parce que si le diable savait, il ne toucherait pas à celui qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Wow, wow, wow! Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Hallelujah! 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 J'ai dit hallelujah! Je ne sais pas si quelqu'un est en train de se préparer pour attraper, pour recevoir son miracle tangible. Son miracle est là tellement attendu. Parce que ce miracle-là, si tu prends la position qu'il faut en esprit, ce miracle-là va tomber sur ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen qui va intimider son voisin ce soir? Alléluia. Glory to God. Je regarde moi dire qu'il dit, je suis tellement content que j'ai des ennemis. Oh, vous ne parlez pas. Dis à quelqu'un, je suis tellement content que j'ai des ennemis. Ah, vous ne comprenez pas mon français? Non, vous ne comprenez pas mon français. Donne-moi un peu de jus, s'il vous plaît. Mette-moi un peu de jus, s'il vous plaît. Attends, si tu ne parles pas, le message là, ça va te frapper. Dis à quelqu'un d'autre, je suis tellement heureux. Daddy, tu dis à personne, hein? Dis à quelqu'un, dis, je suis tellement content. Dis, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Que j'ai des ennemis. Hey. Parce que ce soir. Non, 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 on est ensemble. J'adore ce gars là. On est ensemble. Ah, tu sais quoi? Attends. Deuxième, un petit peu. Ok, je vois son visage. Deuxième. En train de changer ce que les gens hein, en train de planifier pour toi dans une autre dimension d'atmosphère. Alléluia. Alors, je suis content que j'ai quelqu'un qui est mon ennemi. S'il n'y a pas un ennemi, il n'y a pas une élévation. S'il n'y a pas un ennemi, il n'y a pas une guérison. S'il n'y a pas une maladie, il n'y a pas une santé. S'il n'y a pas la mort, il n'y a pas la vie. S'il n'y a pas quelqu'un qui te déteste, il n'y a pas quelqu'un qui va t'aimer. Alors ce soir, est-ce que tu peux manifester ta joie? Parce que il y a quelqu'un. Est-ce que tu peux manifester ta joie? Parce que je sais que c'est à cause de moi que Dieu a envoyé son Fils unique afin que si ma joie est en lui, la gloire tombera sur moi. La gloire tombera sur toi. Reçois la gloire. 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 Que t'es dit, yes! Listen to me. Tu comprends anglais, tu comprends pas anglais. Mais écoutez-moi ça en anglais. Surtout ceux qui me suivent. Listen to me. Until your enemy is revealed. Jusqu'à ce que tes ennemis te voient.
until you see your enemy. Jusqu'à ce que tu vois tes ennemis. Face to face. Face à face. You cannot expect your joy to be permanent. Tu ne peux pas expérimenter ta joie d'être permanent. D'être permanent, d'être assis, d'être là où tu es. Listen to me. Écoute-moi. When Jesus Christ came, quand Jésus-Christ arrive, he knew who was his enemy. Il sait ce qui était l'ennemi. He knew his destiny. Il connaît sa destinée. He knew where he was going to. Il sait où est-ce qu'il est en train d'aller. But because the enemy has not revealed himself. Parce que l'ennemi est en train de se donner de la valeur. Parce que les ennemis n'est pas encore se révélé. Il n'est pas encore révélé lui-même. Parce que l'ennemi ne s'est pas encore révélé. Listen to me. Écoute-moi. Until your enemy reveals himself. Jusqu'à ce que tes ton ennemi se révèle. What you have been expecting. Ce que tu avais espéré. Ah, I need to go to teach now. Ah, what you are expecting. Ce que tu avais espéré. Will not appear. Ne peut pas se n'apparaîtra pas. S'il vous plaît, si ton ennemi refuse de se révéler, si ce que toi tu attends là ne peut pas apparaître. Parce que ton ennemi, il se cache. S'il se cache, ton miracle se cache. S'il se cache, ton espoir se cache. Mais Jésus savait qu'il y a un ennemi quelque part qui va la trahir. Pendant un an, deux ans, trois ans, il n'est pas encore trahi. Mais le troisième demi-année, trois ans et demi, l'ennemi s'est révélé. Et Jésus s'est révélé. Le miracle s'est révélé. Je déclare à une personne, ton ennemi qui se cache, il va se révéler. Il va se révéler. Il va se révéler. Quelqu'un dit, yeah! Hallelujah! Come on, help me. Listen. Écoutez-moi. Never you pray. Jamais tu n'as prié for God to kill them. Pour que Dieu le tue. Pray. Prie for God to reveal them. Pour que Dieu le révèle. Because if they die, parce que s'il meurt, your miracle will go with them. Ton miracle va partir avec lui. Avec eux. Avec eux. Avec eux. Are you hearing me? Est-ce que tu m'entends? S'il vous plaît, attrapez ça. Viens. C'est ça qui est censé nettoyer mes sueurs. Mon visage de tristesse. Ma pauvreté. Mais si elle ne s'est pas révélée, comment ça la peut venir? Maintenant, si je prie pour qu'elle meure, elle va mourir avec ça. Amen. Peuple de Dieu. Là où ce que Dieu dit c'est pour toi, tu n'as pas encore vu ça. Parce que quelque part, quelqu'un, il est ton ennemi, mais il se cache. Et puis, il te pince tout doucement. Quand il te pince, il souffle. Comme des souris. Il te pique. Alors, tu ne peux pas savoir si tu es un ennemi ou pas. Quand il t'a piqué un peu, il te donne un cadeau. Derrière toi, il te pique avec couteau, il vient devant toi, il te donne à manger. Comment tu peux savoir que c'est ton ennemi? Raison pour laquelle Jésus est tellement content lorsqu'il a vu celui que le diable veut utiliser pour la transporter dans le tombeau. Et cette personne-là, on ne peut jamais imaginer que c'était lui. Son propre cousin. Son propre diacre. Son propre leader. Son propre diaconesse. S'il y en a comme ça. Son propre. Et quelqu'un dit, dis avec moi, dis ma propre. Ma propre chose là. Jésus, il savait. Mais il ne voulait pas lui-même dire, c'est toi, c'est toi. Pourquoi parfois nos ennemis échappent le foudroyement de Dieu? Pourquoi il échappe ça? Parce qu'on est trop vite de dire, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Quand Dieu veut foudroyer, Dieu dit, ah, on attrape la main de Dieu.
S'il vous plaît. Comment tu vas libérer feu à quelqu'un qui se cache? Hein? Il va d'abord placer anti-feu en lui. Ne me suis pas. Alors, si toi tu parles la langue, lui parle la langue aussi. C'est anti-feu. Le feu du Saint-Esprit. Non. Jésus, il savait, mais il n'est pas dit aux gens que c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement organisé fête. Voici pourquoi la Bible dit, donne à manger, fais du bien à ceux-là, là même là. Aïe. Peuple de Dieu, je sais que tu ne m'aimes pas, mais quand je fais mon fête, tu es le premier que j'évite. C'est pourquoi je veux que tu sois exposé. Pour que ce que tu as attaché de moi là puisse être libéré. Si Marina t'a appelé un amé qui est tondeuse là. Ah, j'ai dit, on a créé un amé qui est avec un tonnerre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jésus regarde, il rit. Il regarde à gauche, il rit. Et quand il s'en va, il dit, fais-moi une fête, invitez-moi Judas. Ah, pourquoi c'est son nom d'abord? Personne ne sait pas. Les gens pensaient que le premier là, hein, est toujours le premier. Il ne sait pas que celui qu'on a mis derrière là, tôt ou tard, il va devenir le premier. Je ne sais pas ce qui te met derrière. Tu es dans la famille, tu es derrière. Financièrement, tu es derrière. Dans tout ce que tu fais, tu es derrière. Lorsqu'on dit il y a un résultat, tu n'es pas là. Tu s'en vas, tu réjouis avec des gens. Tu fais fête avec des gens. Tu es toujours le thème de compagnie pour des gens pour le mariage. Mais pour toi, n'est pas encore arrivé. Quelque part, il y a un ennemi qui se cache. Il ne veut pas encore se révéler à toi. Tu n'es pas encore demandé. Ce soir, on va déclarer nos ennemis. Nous sommes contents que tu existes. Mais par la mort de Jésus, par la mort de Jésus, tu seras révélé afin que ma libération soit permanente, soit visible. Je déclare une personne ce soir que ce Dieu-là qui a révélé Jésus, qui a fait en sorte que Judas s'est révélé à tant qu'un ennemi, et aujourd'hui on peut tout réjouir parce que Jésus-Christ, il est maintenant le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ce même Dieu, il te donne Le pouvoir pour vaincre l'esprit de mort, l'esprit de maladie, l'esprit de pauvreté, l'esprit d'échec. Celui qui est nommé, reçois cela. Ésaïe 53, s'il vous plaît. Ce soir, on va prendre le temps de prier. J'ai envie, je sens cette force pour réjouir certaines personnes en prière. Ésaïe 53. S'il vous plaît, commencez à lire pour moi à partir de verset 3. Verset 3. S'il vous plaît. Méprisé. Il était quoi? Méprisé. Tout le monde dit, il était quoi? Méprisé. Ah, Maranatha, parle avec force. Les chants, ceux qui ont un micro, parle avec force. Il était quoi? Méprisé. Et abandonné. Écoute fort, peuple de Dieu. Je ne sais pas quel mépris que tu traverses. Mais il était méprisé. Mozoko Prakada Sakata. Oh, Bishop, je ne sais pas pourquoi je sens que d'ici la fin de ce mois-là, certaines personnes vont commencer à réjouir et certains vont commencer à avoir la honte. Parce que ceux qui t'ont méprisé est sur le point de voir la puissance de Pâques apparaître dans ta vie. Si tu crois cela, dis un ami qui est plus poussé à la voix de Dieu. Il était méprisé. Par qui? S'il vous plaît, parle, Maranatha, parle comme votre papa. Votre papa, il est vigoureusement vibrante. Pourquoi vous parlez comme si vous êtes opposant de lui?
Vous êtes tous le Bishop Moussango, petit Bishop Moussango. Alors, pas comme lui. Il était méprisé par qui? Les hommes. Je vous ai dit, il est 100% homme et 100% esprit. Lorsqu'on a méprisé, papa, tu sais quel côté que les hommes ont méprisé? Oh, est-ce que quelqu'un veut me suivre? Je vais couler en français, mais je suis en train d'essayer. Ils ont méprisé le côté d'homme qu'ils voient. C'est ce que les hommes voient qui vient attaquer. Oh, je ne parle pas français. Non, je parle chinois. Je viens de parler chinois tout à l'heure. J'ai dit, on ne peut pas t'attaquer si on n'est pas vu. C'est ce qu'on voit là. Hein? On couvait. C'est-à-dire qu'on veut t'arracher cela. Mais en réalité, ce qui te fait devenir ce que tu es là, on ne voit pas ça. Can I say it in English? Are you going to understand? Yes. Je vais faire en anglais. Listen. Écoutez. It is what people see. C'est ce que les gens voient. That is what they go after. C'est ce qui vient après. But what make you what you are? Ce qui fait de toi qui tu es. They don't see it. Ils ne le voient pas. But what you have. Mais ce que tu as. Is what they see. C'est ce qu'ils voient. And that is what is interesting them. C'est ce qui les intéresse. Vous voyez ça? Il était méprisé par des hommes. Parce qu'ils ont vu le côté homme. Parle français pour moi, s'il vous plaît. Ils ont vu le côté quoi? Homme. Mais pourquoi ils n'ont pas vu le côté esprit? Parce que Jésus n'a pas manifesté cela. Amen. Amen, amen. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Une fois, les bandits nous ont rendu visite chez moi à la maison. Avec toute humilité. Mais ils ont vu des choses à la maison. Mais moi, j'étais à la maison dans ma chambre. Ils ne m'ont pas vu. Parce que je priais. La nuit, là, je priais. On sort le matin. On voit qu'ils ont vandalisé à barbe. Tous les salons. C'est quelqu'un qui a opéré de 2h le matin à 4h. S'il t'avait vu là, il va te finir. Mais ils ont oublié que quelqu'un était là. Ce n'est pas à cause de moi. C'est un esprit qui m'a couvri. Peuple de Dieu. Tu es là en train de pleurer et pleurnicher. Remercie Dieu pour cela. Ce n'est pas la peine de se pleurer et de pleurnicher. Par contre, remercie-le. Parce qu'ils ne t'ont pas vu. Ton véritable toi. Amen. Oh, est-ce qu'il y a un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen comme le pasteur? Amen. Yes. Peuple de Dieu, lorsque on crucifiait Jésus, avant de le crucifier, d'abord, on a méprisé. Hey, continue pour moi, s'il vous plaît. Méprisé et abandonné des hommes. Hey. Homme de douleur. Homme de quoi? De douleur. Homme de douleur. Continue, s'il vous plaît, pasteur. Et homme de douleur. Hein? Et habitué à la souffrance. Il est habitué à quoi? À la souffrance. S'il vous plaît, si les mecs là qui viennent de le royaume satanique là savaient que Jésus était habitué à la souffrance, hein, c'est qu'il ne peut même pas la toucher dans ça. Papa, tu sais quoi? J'ai compris que c'est ce que tu aimes plus qu'on touche pour que tu puisses avoir mal. Vous ne me suivez pas? Un jour, j'étais en Éthiopie, à l'aéroport. Je suis parti au WC, me soulager, et j'ai lavé ma main, et puis en partant, j'ai fait ma main comme ça. Et puis ma bague en or, et puis mon, comment on appelle ça là, c'est bague, non? Non, non. Ma bracelet en or est tombée. Si tu
pèse cette bracelet, ça peut donner au moins 55 grammes. Et c'est comme ça. Et je voyais une dame qui lavait le coin, mais qui m'observait depuis longtemps. Quand je suis assis comme ça, je dors comme ça, elle me regarde comme ça. Et puis moi, et lorsque je suis parti, il dit, je suis tellement conscient de ça. Je dis, tchèque, ma bague. Il me dit, j'étais ici, je suis parti pour la toilette. Ok, je vais dans la toilette. Je reviens, je tourne partout, je n'ai rien dit à quelqu'un. Je tourne partout, je ne vois pas ma bague, mon bracelet. Ouh! Je n'ai rien dit. Et je vois la même dent, maintenant, qui fait semblant de me regarder comme ça. Et puis elle est venue, votre vol c'est à quelle heure? J'ai compris. Et puis, je me suis approché à la dame. J'ai dit, tout à l'heure, la même là. J'ai perdu quelque chose, hein, mais ça n'a aucune valeur. C'est pas cotis. Même si on vend ça même là, c'est juste 2 dollars. Ça ne peut même pas souffrir quelque chose. Ça ressemble or, mais ce n'est pas or. J'ai commencé à parler comme ça dans l'oreille de la dame. Et quand elle bouge, je bouge avec elle. Avec mon bagage. J'avais montré, il a bougé, il a dit, ça là, celui qui a pris ça là, il pense qu'il a pris bonne chose. Je bouge comme ça. Et puis elle dit, c'était où? J'ai dit, j'étais pas dans la toilette. Et j'ai fait ma main comme ça. Il dit, ah bon, d'accord, j'arrive, je m'en vais voir pour toi. Elle pas. Et puis il dit, j'ai vu. J'ai dit, J'ai dit, madame, merci beaucoup. C'est du bague de 55 grammes. Amen. Elle ne savait pas. Si elle savait, j'ai tout perdu. Ce qui va te devenir, ce qui va te faire devenir quelqu'un, Dieu va te préserver pour cela. Amen. Dieu va te préserver. Écoute-moi, cette dame ne savait pas. Mais si elle savait, elle ne me montrera jamais. Si le diable savait que, en donnant douleur à cet homme, il faut que le diable il est bête. Il est tellement bête parce qu'il était au ciel. Il doit pouvoir savoir que ce monsieur qui est venu déranger son règne là, qu'il ne sait pas comment ce monsieur est né, c'est un monsieur mystérieux. Il doit pouvoir dire aux gens, vous dites, ce monsieur là, il doit avoir deux côtés. Mais le diable dit, touchez-le, frappez-le, humiliez-le. Il mérite cela, c'est un homme. Nous, on était avec Dieu. On a quitté. Si Dieu était avec lui, pourquoi Dieu n'est pas venu le sauver maintenant? Tous ceux qui ont tapé leur poitrine, hein? Bientôt, il va flécher genoux devant toi. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il était homme de douleur. S'il vous plaît, continuez pour moi. Je vous demande pardon. Il est habitué à la souffrance. Il est habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Attends. Il a porté quoi? Nos souffrances. Non. Il parle fort comme votre papa. Il a porté quoi? Nos souffrances. Attends, quelqu'un qui porte en souffrance, pourquoi tu souffres encore? C'est parce que tu aimes ta souffrance. Une dame a porté une basket dans sa tête, beaucoup de poids. Elle a marché sur la pluie, elle a marché sur le soleil. Elle est tombée, s'est réveillée. Mais subitement, une véhicule est arrivée. Il dit, madame, je peux vous aider? Elle dit, aide-moi. Le monsieur dit, ok. Il descend dans sa voiture et ouvre le coffre. Il dit, madame, dépose ton bagage dans le coffre. La dame dit, toi voleur, tu veux pas que je voie mon bagage? Je vais même me parler dans le coffre. Tu es venu m'aider ou pas? Non. Si tu veux m'aider, laisse-moi rentrer dans la voiture avec mon bagage. C'était parmi nous. Nous sommes en Jésus, mais avec toujours notre bagage. Nos pensées, quand on était païen, est toujours là, bagage. Notre tête est devenue bagagianiste. On est devenu des porteurs de bagages. C'est toi seul qui sais celui qui veut te tuer.
toi seul qui a quelque chose à dire à celui qui t'a haï. Il dit, porte ton bagage. Mais lorsque je suis arrivé, laisse-moi porter ton bagage. Voici le mathématique de Dieu. Et on va terminer dans la prière. Quelle mathématique de Dieu? Dieu savait que Lucifer connaissait beaucoup de choses. Mais il y a une chose que Dieu n'a pas révélée à Lucifer. Qu'il était capable, compétent, de se transformer en l'homme, étant toujours Dieu. Alléluia! Amen! C'est ça! Vous pensez que vous connaissez votre papa? Vous mentez. Parce que le jour où tu dis, je m'en vais, tu vas être étonné que quand tu s'en vas, ça va venir. Parce qu'il y a quelque chose en lui qu'il ne peut jamais. C'est cette chose qui les lie entre lui, son destin et Dieu. Quelqu'un d'autre ne peut pas toucher cela. Voici pourquoi tu peux tuer un homme de Dieu, mais tu ne peux pas tuer le ministère de l'homme de Dieu. Tu peux enterrer un pasteur, mais tu ne peux pas enterrer la vision. Oh my goodness. Je dis, on peut écraser une église, mais on ne peut pas écraser une vision. Lorsque la vision est en toi, c'est toi ce qui sais le liaison que tu as entre le ciel et la terre. Même les hommes peuvent te mépriser. Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent parler mal de toi. Les hommes peuvent te vilampéter. Les hommes peuvent te haïr. Les hommes peuvent te détester. Mais si tu connais ton Dieu, la Bible déclare, ceux qui connaissent les dieux, il sera fort. Il sera fort. Il fera des exploits. Je déclare ce soir, la puissance de faire des exploits tombe sur ta vie. Tombe sur ta vie. Tombe sur ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire la main dans cette salle? Dieu, il savait que Lucifer, là, il n'est plus avec lui. Au moment où Lucifer est en train de réjouir, oh, yes, yes, Adam et Ève n'est plus dans le jardin. Où sont mes musiciens? Ils n'ont plus dans le jardin. Bon. Adam et Ève n'ont plus dans le jardin. Bon. Ouais. Adam et Ève n'ont plus dans le jardin. Ok, vous ne comprenez pas ça. Le plus là-bas. Au moment où il est en train de réjouir, Dieu moquait de lui. Il ne savait pas que Dieu a déjà libéré un autre Adam. Un autre Adam. Mais lui ne voyait plus ça. Au moment où il est en train de parler de ton passé, les gens ne savent pas que Dieu a déjà marché sur ton passé. Il a effacé ton passé. Il a nettoyé ton passé. Mais on te voit avec les yeux passés. Mais on ne te voit plus avec les yeux présents. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu a laissé faire. Peuple de Dieu, aide-moi à dire à quelqu'un, laisse faire. Dieu a laissé faire. Lucifer, il a tout fait ce qu'il peut faire. Jusqu'il a attendu des nouvelles. Il dit, il y a un homme, un enfant qui est né. Oh! S'il vous plaît, nouvelle de naissance d'un enfant a traumatisé le royaume satanique. Enfant là n'est pas encore grandi. Oh. Voici pourquoi toi tu es là. Réjouis-toi. Quand un Richard est envieux de toi, vous ne me parlez pas. Toi tu n'es pas marié, tu n'es pas belle. Mais celui qui est marié, qui est belle et bella, hein, ton affaire là l'intéresse. Vous ne comprenez rien. Réjouis-toi. Tu n'es pas de voiture. Tu marches avec tes deux pieds. Et quand tu marches, tu marches avec le marché du Saint-Esprit. Et puis celui qui a voiture dit, voici ça là. Elle est en train de montrer quoi? Toi tu as voiture, tu es intéressé à moi. Une petite naissance. Oh! Je vais attendre une seule personne qui va dire amen à cette déclaration. Je déclare ce soir que Dieu pose dans ton
dans ta vie et ton destin une petite semence qui va déranger tes ennemis. J'ai dit, il plantera une petite semence qui va déranger tes ennemis. Quelqu'un dit amen. Petite semence. On dit, un enfant est né. Un enfant est né. S'il vous plaît. J'aime Dieu. Hein. Dieu dit, cet enfant sera appelé quoi? Emmanuel. Ce qui veut dire... Ok, Dieu est quoi? Amen. Mais n'oublie pas, il dit cet enfant dans son épaule, il portera quoi? Hein? Non. Il dit le gouvernement reposera sur quoi? Oh, vous ne parlez pas. Parle avec moi, je vous demande pardon. Gouvernement faisait, va faire quoi? S'il vous plaît, viens. Mets ça sur ton épaule. Enlève ta main. Alors, si le gouvernement n'est pas d'accord avec lui, il fait tomber le gouvernement. Vous ne comprenez pas? Non, vous n'avez pas encore bien compris. Quelque chose qui repose sur ton épaule, là. Si la personne n'est pas attention, là. Hein? La personne, il est condamné à être d'accord. Voici pourquoi tout gouvernement qui n'est pas d'accord avec Jésus doit tomber. Ah, vous n'êtes pas dit. Amen. Ah, toute personne qui n'est pas d'accord avec les principes de celui qui est mort à la croix doit tomber. Mais nous, on n'est pas sous ses épaules. On est dans son cœur. S'il vous plaît. On ne marie pas quelqu'un qui est sur mon épaule. Ça ressemble, ça n'a pas de préjudice. Fatigue. Mais on marie quelqu'un qui est dans ton cœur. Et hey, mon cœur bat pour toi. Oh. Mon cœur là, ça bat. Mais si tu dis, tu es dans mon épaule. Vous ne me suivez pas. Ce qui est dans ton épaule là, il ne faut pas attacher. Mais dans ton cœur là, il va prendre soin de toi. Il dit, il était méprisé, il était humilié, il a traversé les souffrances. Mais s'il vous plaît, lis pour moi maintenant verset 4, s'il vous plaît. Verset 4. Cependant, il a porté nos souffrances. Il a porté ma souffrance. Il s'est chargé de nos douleurs. S'il vous plaît. Vous avez déjà vu le mot chargé? Hein? Chargé? Non. C'est pour. Ouais, il prend. C'est ça que vous dites. Hein? Mais chez nous, quand on dit chargé, là, ça veut dire que. Voici ça, vous ça là. On met du riz. On presse. On met. On cause. Ça veut dire que. Tu vois ce que c'est bien compressé, bien rentré. Hein? Bien chargé même là. Hein, on appelle ça overcharge. Hein, on met dedans. Wow! Kabo Sataya. C'est-à-dire que tout ce que était censé me faire devenir enfant de diable, il a récupéré ça sans ma permission. Il a mis ça dans lui. Et puis le diable le regardait. Il dit, hey, cet homme que tu veux aider là, il est comme ça. Jésus dit, je connais. Laisse tomber. Die. Cet homme, je connais. Laisse. Die. Il dit, il a chargé. Une autre façon de chargement maintenant, là, c'est dans le box. Tu connais boxer? Hein? Quand tu dois boxer, tu commences comme ça. Et puis après, tu charges. Et c'est KO. Le chargement qu'il a mis, c'est pour préparer un chaos chaotique. Ce soir, je ne sais pas celui qui a dit au village, au pays, même ici, il dit, tu pries ou tu ne pries pas, les choses ne peuvent pas changer pour toi. J'ai une nouvelle pour toi. Il a chargé. Nos souffrances.
le droit de prendre quelque chose dans ma tête. Je suis devenu léger. C'est pas français? Je suis devenu libre, léger. S'il vous plaît, peuple de Dieu. C'est l'Éternel avec un esprit léger. Parce que ce que tu portes dans ta tête, il a déjà pris. Il a récupéré. Il a pris mes péchés. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il a pris. Il a pris mes péchés. Il m'a délivré. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oh, attaché à la croix. Lève tes mains, tout le monde. Oh, il a pris. Il a pris mes péchés. Il m'a délivré. Lève les deux mains, tout le monde. Comment? Attaché à la croix. Encore. Oh, il a pris. Il a pris. Il a la bassana la bayana. Yekele basaya. Everybody come on. Attaché à la croix. Réjouis que tu as un ennemi. Réjouis qu'il y a quelqu'un qui parle mal de toi. Parce que s'il savait, s'il savait, mais comme Dieu, son mathématique n'est pas le mathématique des hommes. Le diable a touché l'homme. Il n'est pas touché l'esprit. On peut te toucher tes habits. On peut te toucher ton nom. On peut gâter ton intégrité. Mais ce que te fait quelqu'un, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas atteindre cela. Aidez-moi à terminer pour que nous puissions rentrer, s'il vous plaît. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. S'il vous plaît, on a considéré ça comme ses punitions. Frappé par Dieu. Voici ça. Mais cette humiliation-là, que nous avons considérée, qu'eux, ils ont considéré, qu'ils ont donné à Jésus, c'est pour la libération de quelqu'un. Je ne sais pas si une personne ici peut dire la même plus que son voisin. Je déclare. Je déclare ce soir. C'est Jésus qu'on est venu faire. Et le monde entier en train de célébrer la Saint, le Saint Vendredi ou bien le Saint Toussaint ou bien tout quoi. Toussaint, s'il vous plaît. Cet homme-là, il mérite. Et je déclare. Cette souffrance qu'il a fait, c'est à cause de toi et moi. Et je proclame sur ta vie. Amen. Je blesse. Je proclame sur ta vie. Un changement viendra dans ta vie. Une délivrance viendra dans ta vie. Une libération viendra dans ta vie. Une guérison viendra dans ta vie. Ton miracle sera établi dans ta vie. Celui qui croit dit un amen très fort. Verset 5 et nous terminerons. Verset 5, mais il était blessé pour nos péchés. Il est quoi? Blessé pour nos péchés. Attends, pasteur. Qui était censé être blessé? Mais qui est blessé? Oh, vous ne parlez. Oh, God. Il y a des personnes que, s'il vous plaît, on ne doit pas tourner devant. Il y a des personnes, même s'il t'a giflé là, suis-le. Amen. Amen. Suis-le. Amen.
Même s'il y a humiliation, suis-le. Parce que lorsque tu avais besoin de l'eau pour boire là, personne t'a pas donné, mais lui t'a donné un peu. Écoute-moi, il y a des choses que j'accepte, hein, peuple de Dieu, parce que je vois d'où je viens. Vous ne me suivez pas? Il y a des personnes, il ne faut pas le suivre avec protocole. Il y a des personnes, il ne faut pas les suivre avec mon intégrité. Détruis ça. Oh. Emballez ça dans tes pieds. Ça va te tuer. Il y a des personnes, tu es directeur général quelque part. Quand tu viens, il ne faut pas être directeur devant lui. Il y a des coins, quand je pars, c'est tapis rouge, on vient me recevoir. Mais c'est ça, c'est eux. Parce que eux, là, ils aiment des gens de bling bling. Bling bling. Mais il y a des coins quand tu pars, on ne te connaît pas et quelqu'un te dit, toi là, viens. Il ne faut pas donner d'eau. Hein. Mais vous ne parlez pas. Quelqu'un ne me suit pas. Mago Baga. Je ne peux pas donner mon dos à Jésus pour quoi que ce soit sur la terre. Hey! Parce que ce qu'il a pris là, c'était moi. Attends, on veut. Un bandit veut tirer. Et on veut te tuer. Et quelqu'un vient prendre le balle. Et la personne, il n'est pas mort. Ma chère, si tu dois manger matin, midi, soir, pense à lui. Sinon, tu deviens. Bon, je me ferme ma bouche. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Mais il était blessé. Qu'est-ce que le monsieur même a fait même? Il est juste venu dire, Père, je ramène tes enfants à toi pour que la raison pour laquelle tu as créé l'homme là, ça soit accompli. C'est tout ce que le monsieur est venu faire. Pour cela là, tuez-le. Deux bandits étaient à gauche, à droite. On dit les bandits là sont mieux que lui. Injustice. Certains parmi vous, vous souffrez injustice. Il était blessé. Au moment où, si on veut regarder vrai là, on va voir un film. C'est aujourd'hui qu'on est en train de le blesser. Hein? On est en train de le chicoter là. Et il y a des gens qui disent. Mais il a regardé Marie. Il dit. Prends soin de ton fils. Hein. Voici ça. Voici Jean. Attends, il dit, pourquoi tu pleures? Voici Jean. Qui représente l'église. Au lieu de pleurer, prends soin de vision là. Au lieu de pleurer, prends soin de vision de Maranatha. Prends soin de frères et sœurs. Prends soin de l'église. Blessé. On n'est pas dit pour son péché, hein. On est pour nos péchés. S'il vous plaît. Décider à être condamné en prison parce que j'ai volé. Et toi, tu viens, tu dis non, c'est toi qui as volé. Et puis on t'a mis en prison à mon nom. Et moi, je ose, tu sors. Je ose te parler mal. Je ne suis pas normal. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette salle. Hein? Ils sont fous. Ce n'est pas normal. Parce que tu te plains toujours jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, tu étais censé être sentin. Le sentence est déjà déclaré que tu dois mourir. Mais parce que tu as mis tes pieds à Maranatha, la guérison est arrivée. La délivrance est arrivée. Les démons sont sortis. Le miracle est positionné. Maintenant, tu es guéri. Là, tu as la bouche pour parler. L'église, là même. Dieu m'a dit, quand tu es venu ici, tu es dans de désespéré de tout, personne ne rime pas avec toi. Mais aujourd'hui, tu as des amis. Maintenant, tu es en train de faire complot contre l'église. Si l'église t'a fait rejeter, est-ce que tu peux être là aujourd'hui pour commencer à faire complot?
ne nous donne pas le pouvoir au Satan encore. Parce que Jésus-Christ a récupéré le pouvoir. Quand tu venais, la femme de pasteur est déjà existait avant. Elle sapait. Mais là, tu es arrivé maintenant, après 2 mois, c'est ta bouche qui dit, maman, là même sape trop. Parce qu'on t'a accepté. Il a pris des blessés à cause de nous-mêmes, nos fautes. C'était parmi nous ici. Je suis sûr et certain que Dieu a utilisé l'église. Dieu a utilisé l'homme de Dieu pour intervenir dans votre dossier, dans votre papier, dans votre intégration, dans votre immigration, dans tout quoi, dans ta vie, dans ton mariage. Si ce n'est pas cette église-là, il y a plusieurs qui ne peuvent jamais se marier. Dans cette église-là, il y a plusieurs qui ont le travail à cause de l'enfance spirituelle de l'homme de Dieu. Je suis en train de parler, je ne sais pas, mais je parle. Dès que ma bouche ouvre, je parle. Il y a des pasteurs parmi vous. Depuis que tu es arrivé ici, tu sens un peu d'espoir dans ta vie. C'est ça. Quelqu'un a pris cela pour que tu puisses être épanoui. Quel est ton rôle vis-à-vis à cette personne? C'est pour parler comme le Bartimée. Il dit, ce que je sais, une fois, on m'avait donné une sentence de mort. Mes yeux étaient condamnés à vie. Tout le monde me donnait ce qu'il voulait. Même si c'est placardé qui est tombé par terre, il me donnait, je ne mangeais pas. Les gens étaient contents que mes yeux étaient aveugles. Que je ne voyais pas. Je ne reconnais pas. Mais depuis que mes yeux sont ouverts, vous ouvrez votre bouche pour me dire que cet homme n'est pas bon. Il dit ce que je sais. Une fois j'étais aveugle. Une fois j'étais un voleur. Une fois on m'avait condamné à mort. Une fois on avait dit ma vie est de jamais devenir quelqu'un dans la vie. Mais cet homme, Yakabosata, une fois les hommes de Dieu m'ont rejeté. Mais il y a une qui m'a accepté. Il est important de parler. Les autres églises t'ont condamné. Les autres églises t'ont rejeté. Le mariage que tu voulais faire, certains des pasteurs ont refusé. Mais ici, Dieu a fait en sorte que l'esprit de Dieu, l'esprit de compassion, l'esprit de humilité, l'esprit de Dieu a tombé sur le bishop de l'église. Et Dieu a poussé pour vous encourager. Il est temps de parler comme plein bâtiment en disant, une fois je sais que j'étais aveugle, maintenant je peux voir, je le suivrai, je le suivrai, je le suivrai. Peuple de Dieu, le Pâques, c'est un moment de prendre décision, de suivre Jésus, renouveler ton alliance avec lui, renouveler ton salut avec lui, renouveler ton amour avec lui. Je suivrai, je le suivrai, je le suivrai. Quelqu'un dit, parler de hier, lorsque le Pâques était sur le point d'être annoncé, Jésus nous a donné 3 choses à faire. Change ta voix. Ne dis plus que je suis un pécheur. Dis maintenant, j'étais. Il a pris mon péché. Ta voix. Change ta pensée et accueille un esprit nouvel. Terminez verset 5 pour moi, s'il vous plaît. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Attends, il était quoi? Blessé pour nos péchés. Et quoi encore? Brisé pour nos iniquités. S'il vous plaît, qui a biscuit ici ou bien du pain? Qui a biscuit ici là? Biscuit ou bien du pain? Il n'y a personne. Il n'y a pas un enfant qui a biscuit ou du pain. Pardon, ouvre. Je vais vous montrer. Hey! Parce que parfois vous ne comprenez pas. Il faut qu'on explique. Ouvre ça. Il était comme ça. Entier. Entier. Oh. Il a créé le ciel entier.
sans aucun, il était beau, il était mignon, il sans aucun recul, aucun problème. Mais à cause de toi et moi, le monsieur a pris cadeau. Il était blessé d'abord. Voici blessure, hein? La blessure. Au moment où on attend de le blesser, on a quoi? Brisé. Je ne suis plus derrière. Je ne suis plus derrière. Jamais derrière. Je ne suis plus derrière. Je ne suis plus derrière. Parce que il était brisé. À cause de mon péché. Il était brisé à cause de mon péché. Écoute-moi, si on t'avait mis derrière, que tu es le dernier dans la liste de ceux qui doivent échouer là, à cause de cela, je te vois avec des ailes spirituelles. Tu vas quitter là-bas. Tu vas se retrouver devant. Parce que Dieu, il ne fait rien au hasard. Brisé. Écrasé. C'est qu'on vit la finie totalement. Mais on attaquait seulement le côté homme. Amen. Ce dimanche, on va voir le côté esprit. Amen. On attaquait seulement. Et tu verras dans la Bible dimanche. Et certains hommes de Dieu, peut-être, n'ont même pas encore vu dans la Bible. Lorsqu'on parle d'une seule phrase sur Pâques. Esprit. Et tu seras étonné que plus jamais quelque chose va te faire mal. Ne regarde plus ce qui te fait du mal. Avec un esprit et pensée de douleur. Tu m'as fait du mal quand je te vois et dis ça me fait mal, mais je ne te montrerai pas que ça me fait mal. Tu sais pourquoi? Afin que tu puisses arrêter. As I close this teaching tonight, comme je vais vous enseigner ce soir, as I close, comme je vais finir ce soir, au moment où je suis en train de terminer, au moment où je suis en train de terminer ce soir, je veux que le pasteur finisse ça pour moi, verset 5 encore. Tout le monde. Hein? Les châtiments, hein? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Les musiciens ne me suivent pas, c'est dommage. Mais on va se voir dimanche. Il dit par son maîtrissure. Il dit par sa mort. On est quoi? Guéri. Aujourd'hui, dans le monde entier, beaucoup de personnes le pleurent encore. Hein. Ils pleurent. Les traditionnistes pleurent. Mais ma chère, ne pleure pas. Parce que c'est pour notre élévation. C'est pour notre bénédiction. C'est pour notre libération. Voici pourquoi ce soir, je vais vous demander à tout le monde de rester debout. Tu lèves tes deux mains. Tu pleures devant lui. Parce qu'il peut te toucher tout à l'heure. Par ses maîtrissures, nous sommes guéri. S'il vous plaît, s'il n'est pas mort pour toi, n'attends pas la guérison. Si tu penses qu'il n'est pas mort pour toi, n'attends pas la guérison. N'attends pas la libération. N'attends pas la prospérité. Mais si tu crois qu'il est mort pour toi, ouvre ta bouche et déclare mon Père, mon Créateur, tous les morts. Dis mon Père, mon Créateur. Je déclare ce soir. Expose mes ennemis. Expose mes ennemis. À
afin que je puisse avoir ma libération. Ouvre ta bouche, commence à prier maintenant. Commencez à battre tes mains, battre tes pieds. Commencez à prier. Expose, mes ennemis. Rakato satalaba.